Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Ikin Studio pour un nouvel épisode de Kyokushin Spirit, donc une émission dédiée au karaté Kyokushinkai plus spécifiquement. On s'entraîne ensemble. Je m'excuse, j'ai dû refaire la prise puisque en fait le son ne fonctionnait pas, mon micro ne prenait pas le son, donc je m'excuse et bonsoir quand même, effectivement, à Toram. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Excusez-moi, eh bien écoutez, ce n'est pas grave, on recommence, pas de soucis. Donc comme je l'expliquais, on est réunis encore une fois aujourd'hui pour faire du karaté ensemble. Donc soit bah, si vous souhaitez regarder ou si vous souhaitez pratiquer en même temps que moi, je vous y invite, hein, comme ça, ça vous permet de découvrir un petit peu cet art martial assez fascinant. Qui fait beaucoup parler de lui, hein, le karaté Kyokushinkai, c'est un art martial un petit peu sulfureux, qui est entouré de beaucoup de légendes, notamment Oyama, Masutatsu Oyama, le fondateur du karaté Kyokushinkai, qui avait beaucoup de légendes autour de lui, le fait d'avoir cassé des cornes de taureau à main nue, d'avoir affronté plus d'une cinquantaine de spécialistes de divers styles de sports de combat ou d'arts martiaux, plutôt des arts martiaux à l'époque, et d'avoir à chaque fois gagné. Donc c'est un style qui est assez populaire et j'espère que vous l'apprécierez eh bien, tout autant que moi, je l'aime, au bout de ces vidéos. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont se terminer. Si vous avez suivi un petit peu eh bien, les annonces gouvernementales, eh bien, malheureusement nous sommes pour beaucoup de départements dans une situation où nous allons nous retrouver à nouveau en confinement. Mais ce n'est pas grave, nous affronterons cette situation toujours avec le Kyokushin Spirit et bien évidemment avec des vidéos puisque vous aurez le droit régulièrement à et bien des vidéos sur le karaté bien sûr, mais aussi tout simplement sur et bien du gaming puisque comme je l'ai expliqué sur le dernier épisode de Sa Game Pass ou Sa Case dédié à Need for Speed Heat, et bien nous allons commencer à jouer dès la semaine prochaine à Monster Hunter Rise, un jeu qui est bien évidemment énormément attendu par des milliers de personnes. Et j'espère que vous en faites partie, en tout cas si vous ne connaissez pas la licence Monster Hunter, n'hésitez pas surtout à venir sur les lives pour essayer de découvrir un petit peu ce jeu qui est assez passionnant et je l'espère, je croise les doigts, l'avoir quelques jours en avance de façon à pouvoir eh bien, vous proposer du contenu au plus tôt. Donc comme je l'expliquais sur la précédente prise qui a été coupée, nous allons eh bien, continuer encore pendant quelques vidéos à faire eh bien, des entraînements dans lesquels je vous fais l'entièreté de l'entraînement en vidéo, c'est-à-dire les étirements, enfin les échauffements, l'entraînement à proprement parler et les étirements. Et puis lorsque nous allons évoluer un petit peu, au bout de 3-4 épisodes, je ne ferai plus que l'entraînement et peut-être un peu les étirements, mais à mon avis ce sera plutôt juste l'entraînement que je vous montrerai, c'est-à-dire que je commencerai le stream déjà échauffé, déjà prêt à m'entraîner, parce que effectivement un échauffement ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est des choses qui peuvent être un petit peu barbantes, bah forcément quand on ne connaît pas trop, ou même tout simplement de voir tout le temps la même chose hein, sur une vidéo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc on fera ça dans un deuxième temps avec que des vidéos consacrées eh bien, à l'entraînement. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Je vais juste faire une petite chose rapide histoire de pouvoir monitorer ici le live. Ce sera toujours plus simple. Hop, parfait ça. Et on va se lancer tout de suite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors je suis très content, ce soir j'ai du transcoding. Donc ça c'est très très bien. Le transcoding c'est quand vous avez l'option pour choisir en fait votre qualité de live. Et ça en fait quand vous êtes affilié comme moi, vous ne l'avez pas tout le temps. Ça dépend de la bande passante qui est occupée par Twitch. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de streamers à ce moment-là qui sont en train de faire des vidéos, il se peut que vous n'ayez pas cette option-là. Donc vous êtes obligé de regarder la vidéo dans la qualité, on va dire, qui est proposée par défaut. Donc moi c'est du 1080p60, donc enfin 900p60 pour le coup, excusez-moi, avec un bitrate très élevé. Donc si vous n'avez pas une connexion qui est très très bonne, eh bien malheureusement ça bouffe pas mal de bande passante. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais hop réduire un petit peu la luminosité là-dessus, déclencher bien évidemment le petit entraînement pour pouvoir un petit peu suivre tout ça, et je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec un petit échauffement, et on va commencer par du shadowboxing. La dernière fois on avait fait des petits étirements sur place, des petits échauffements sur place avec des petits sauts. Là on va juste commencer avec un peu de shadowboxing, où on va venir travailler comme d'habitude, une minute de blocage, donc on travaille gentiment, on bloque, 1, 2, hop, blocage interne,
blocage de low kick. On utilise toujours les tibias en Kyokushinkai pour bloquer les low kicks de l'adversaire. Toujours vigilant aussi à du potentiel Mawashi Jodan. Jodan, c'est la tête. Donc hop, Mawashi Giri Jodan, ça peut partir assez vite. On bouge, on se décale, on ne sert pas de cible à l'adversaire. Et on monte le rythme cardiaque gentiment avec des blocages. On intégrera les techniques après, au fur et à mesure. On garde la garde bien proche de la cage thoracique, les coudes bien rentrés pour pouvoir bloquer rapidement, efficacement. Ouais, on est reparti maintenant, on rajoute les points. On travaille toujours en combinaison. Voilà, on bloque, on remise. 1, 2, hop, hop. Voilà, c'est un dialogue, c'est un échange. On bloque, on bloque, on bloque. Et on parle, on recule. Blocage, blocage, on enchaîne. Hop, coup de coude. Coup de coude, c'est autorisé en Kyokushinkai, hein, donc vous pouvez y aller. Petit blocage, hop. Et on y retourne, voilà. On recule, on tourne autour de l'adversaire. On recule, petite feinte, hop. On vient travailler comme ça, les petites feintes sur le côté. Allez, on rajoute le kick. Gedan Mawashigeri qui sont importants en karaté Kyokushinkai, hein. Ça fait vraiment partie des techniques un peu phares. Alors on a la possibilité bien sûr de travailler comme ça, mais aussi en feinte, part d'un côté, on vient de l'autre. Voilà. On vient frapper comme ça. On ramène, on frappe. On a aussi la possibilité de travailler en switch, c'est-à-dire qu'en fait on a la jambe avant qui est là et on change pour venir frapper, pour un petit peu surprendre l'adversaire. Des fois on frappe en avant comme ça, mais on peut aussi, si on habitue l'adversaire avec des frappes arrière, et bien venir switcher, hop, et on frappe. Allez, on est reparti, on rajoute les Chudan, donc technique au niveau du buste. Donc là on va avoir bien évidemment les Mawashi Geri, mais aussi les Mai Geri, coup de pied frontal. Hop, on bloque, on tourne. On peut aussi travailler un petit peu en Ushiro Geri, coup de pied retourné arrière. Enfin, hop, tac. Mai Geri, bien frappé. Gedan, Gedan, Chudan. Voilà. On travaille comme ça. On bloque. Gedan, Gedan, Ushiro. Et voilà. Hop. On va venir frapper un peu en Ura comme ça. Ura, c'est à l'envers. Je vais venir frapper comme ça. Et aussi, hop, comme ceci. Allez, dernière minute. On vient chercher la tête gentiment quand on n'est pas chaud encore. Prends pas trop de risques. Voilà, on bouge bien, tranquillement. L'idée, c'est pas de se fatiguer. On vient vraiment plutôt, hop, travailler en souplesse, hop. Voilà. L'idée, c'est de monter le rythme cardiaque pour après pouvoir s'échauffer correctement. Allez, allez.
Allez, donc là on est chaud, c'est bien qu'on va commencer à s'échauffer. Je vais juste faire un truc. Ok, allez, à ta maman et on commence par la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incliné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En circulaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Étirement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Poignet droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène à équité. Et on souffle. Poignet gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quittez. On relâche. Le coup droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On étire le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Coup de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mouvement circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mouvement sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On écarte les jambes. On revient sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte. Je fais juste un petit truc. Hop. On va continuer l'échauffement juste après. Hop. Je vais juste m'assurer que j'ai du son. Est-ce que j'ai du son? Au cas où quelqu'un
follow ou sub. Allez. Super. Maintenant, les genoux. Pieds joints, les mains sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en arrière. 1, 2 et 3. Allez, cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène, on étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène, on étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yame Aisoku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yame Soto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yame Kakato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On lâche. Allez, on va venir. Zenkutsudachi, jambe gauche. Les genoux à l'aplomb des orteils, la jambe droite bien tendue, les mains dans le dos et le buste dans le prolongement de la jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule sur la jambe arrière, Sukto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule sur la jambe avant en cacato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte. Allez, on passe jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule sur la jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule sur la jambe avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et on se relève. Étire. Hop. Allez. On va finir avec la planche. Donc, on écarte un peu les jambes, les mains dans le dos. Et on vient se positionner parallèle au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tend les bras en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tend les bras devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On écarte les jambes, on vient poser les mains au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène. Et quand on arrive à une largeur d'épaule, on vient s'asseoir le plus bas possible. Ça, c'est très très bien. Si vous avez mal au dos, c'est un excellent étirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on pose les mains au sol, on déroule tout doucement, centimètre par centimètre, on vient chercher et on relâche. Très bien, on a bientôt fini les échauffements. Hop, je voudrais juste faire quelque chose. Hop. Tac. Ok. Très bien. Bon. Allez, on va partir sur encore un petit échauffement. Très léger. On va venir écarter les jambes. Donc, c'est une position Shikodachi. Position différente du Kibadachi. Kibadachi, c'est une position assez connue. Dans le karaté, c'est une position très, très forte où vous descendez, vous avez les jambes qui sont fléchies, vous avez les pieds qui sont parallèles l'un face à l'autre. Et ici sur Shikodachi, on va venir écarter les pieds un peu et on va venir ici mettre les avant-bras à l'intérieur des cuisses et pousser comme ça d'un côté et de l'autre pour étirer un peu les ischio-jambiers et les adducteurs. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. On va se préparer pour le salut. Donc, en position. Shinendai. Salisa. Shinendai. Keko, adieu, statique de ça.
On se met en place, on va commencer l'entraînement proprement parlé. Hop. Tac, je vérifie quelque chose rapidement. Donc, on va commencer l'entraînement. On va commencer l'entraînement. Donc, on va faire un petit peu de shadowboxing juste pendant 2 minutes, histoire de remonter un petit peu le rythme cardiaque. Et ensuite, on va attaquer sur un circuit cardio que je vais vous montrer, qui est pas mal. Qui est pas mal, c'est un circuit cardio qui est assez... Circuit abdo qui est pas mal si vous voulez travailler à votre niveau, même si vous ne faites pas d'arts martiaux. C'est un bon circuit, donc vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Allez, donc on va attaquer sur 2 minutes de shadowboxing. C'est parti. Alors, tac, allez, donc maintenant, on va attaquer notre circuit abdo, donc vous allez voir, circuit intéressant pour justement travailler les abdos de façon assez intensive, enfin assez complète, intensive après ça dépend de votre... Ça dépend de votre rythme. Donc, petit tapis de yoga. Petite serviette pour pas glisser, même si avec le doggy, normalement, ça glisse pas. Une petite medicine ball. Bon, ça, si vous en avez une, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pas mal, mais si vous en avez pas, vous pouvez faire aussi avec une bouteille d'eau pleine ou un poids, une haltère. Et donc, on va partir sur un circuit. Hop, vous allez voir, c'est un circuit complet. Je vais juste mettre un minuteur pour pouvoir hop, faire sonner. Donc, principe, le principe est le suivant. On vient poser ses mains, on est sur les fesses, on ramène les jambes et on fait rameur. Donc rameur, ça peut être aussi comme ça, avec les bras. Mais là, on va vraiment focaliser le travail sur les abdos et les jambes. Donc, vous voyez,
on ramène, on tend. Ça, c'est le premier exercice qu'on enchaîne immédiatement avec un exercice de twist. Donc les twists, on va tenir notre medicine ball ou notre poids ou notre bouteille comme on le veut. Et on va venir ici faire 1, 2, 3, 4. D'accord ? Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, ça va être ce qu'on appelle les abdos du boxeur. Donc on va venir s'allonger. On a les jambes qui ne sont pas complètement repliées, elles sont un peu dépliées avec les talons qui touchent le sol. Et on va venir ici, hop, 1, 2, 3, d'accord? Ça c'est le troisième exercice. Et le dernier exercice c'est les crunchs. Donc les crunchs c'est un exo où on est, je vous le montre comme ça de façon oblique, on est allongé, les jambes sont relevées avec les pieds qui sont croisés comme ça. On met les mains sur les tempes et on essaie de venir toucher les genoux avec les coudes, comme ceci, d'accord? Hop, hop. Donc c'est 4 exercices. Donc là on va travailler sur 10 répétitions, sur les rameurs, sur les twists et sur les abdos du boxeur. Et on fait les crunchs jusqu'à l'échec, c'est-à-dire que jusqu'on n'arrive plus. Ensuite, on lance un repos de 45 secondes. On se repose pendant 45 secondes. Et ensuite, on attaque sur une nouvelle série. Et on va faire ça 4 fois. Ça, ce programme-là, si vous voulez le retrouver sur une façon plus présentée sur YouTube, si vous voulez le retrouver, vous tapez entraînement Légion étrangère abdos. C'est une vidéo qui est proposée par la Légion étrangère où il vous montre comment faire ce programme-là qui est assez intéressant. Parce qu'il fait travailler plusieurs groupes musculaires en même temps, d'accord? Donc on va le faire, hein, bien sûr. Ici, on montre, mais on fait aussi, on montre par l'exemple. Donc, on va essayer de faire 10, 10, 10 échecs sur 4 rounds. On va voir si on les tient. Allez, on se prépare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdos du boxeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les crunchs jusqu'à l'échec. Déclenche le minuteur. On souffle. On souffle. Il reste 32 secondes là. On se repose. Change de jambe. Ça, c'est une bonne position aussi pour étirer vos jambes. C'est étirer vos abdos. C'est vous avez une jambe étendue et l'autre qui est ramenée. Voilà, on se relève, 15 secondes restantes, hop, on va repartir, 10 secondes, on se prépare, 5 secondes restantes, on lève les jambes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, les twists, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Abdos du boxeur. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça commence à brûler. 6. Vous utilisez vos bras pour vous lancer quand ça devient trop dur. 8, 9,
Allez, les crunchs. Ah, là, ça commence à devenir dur, là. Allez, on souffle, 45 secondes. Merci, Kampf. C'est gentil. Merci beaucoup. N'hésite pas à follow la chaîne si le contenu te plaît. Hop. On inverse. Si c'est déjà follow, bah très bien. On souffle. Allez, 15 secondes, on se relève. Tac. Je recule un peu. Troisième round. Ça commence à piquer, mais il faut s'accrocher. Allez. 5 secondes restantes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les twists. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, les abdos du boxeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, crunch. 1, 2, 3, allez, on souffle. Une jambe tendue, l'autre ramenée. Souffle bien. On change de jambe. Allez, il ne reste plus qu'un round. On tient bon. Si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, tenez bon, accrochez-vous. C'est important. Kyokushin Spirit, c'est ne jamais, jamais abandonner. Allez, on se relève. On n'abandonne pas. On se donne jusqu'au bout. Même si on en fait un peu moins, on tient. On tient l'effort. Allez. 5 secondes restantes. On lève les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Allez, je suis mort. Allez, on souffle un peu. Une jambe tendue, l'autre ramenée. On se relâche. Souffle, on souffle. Change de jambe. Allez, on se redresse, hop. On range tout ça. On range tout ce bazar. Hop. Shootez pas dans un medicine ball, hein. C'est un conseil que je vous donne. Ne prenez pas ça pour une balle de foot. Vous risquez d'avoir des déconvenues. En tout cas, les moyennes à lourdes, celle-là pèse 3 kg. Faites gaffe. Faites gaffe, ça peut vite tourner au drame. Allez, hop, donc, hop, tac, on souffle, tranquillement, gentiment, je regarde où vous en êtes au niveau du live, j'aime bien quand même voir un peu où ça en est, de temps à autre, ok, allez. Bon, on va commencer.
on va commencer à s'entraîner. Donc, la dernière fois, on avait eu technique de point, technique de blocage. On va recommencer parce que le karaté, et particulièrement le Kyokushinkai, qui est un art martial de contact, de combat au chaos, vous devez travailler vos bases. Il faut que les bases soient parfaites si vous voulez après pouvoir chercher plus loin. On dit souvent ça dans les arts martiaux, la base c'est ce qu'il y a d'essentiel. Dans un art martial dans lequel vous avez du vrai contact, vraiment de la frappe, il faut vraiment vraiment travailler ses bases et être très efficace dessus. Donc on va continuer dans cet esprit là à travailler les bases, et puis petit à petit on rajoutera des nouvelles choses, d'accord? Donc on va commencer avec un travail de blocage, et puis ensuite on le fera un peu en dynamique, un travail de coup de poing qu'on fera en dynamique, on associera même les deux histoire de rajouter du plaisir, et on attaquera après les katas, d'accord? Donc Shizentai. Donc là, pour commencer à travailler les blocages, on va se mettre en position Sanchin Dachi, que je vous ai déjà montré la dernière fois. Donc, on va partir sur la gauche. Donc, on a deux directions, hein, gauche-droite. En japonais, gauche se dit Hidari, droite se dit Migi. Donc là, si je dis Hidari Sanchin Dachi, ça veut dire position Sanchin en partant avec la jambe gauche. Donc, ça va donner Hidari Sanchin Dachi. Yoi. Kamaite. Là, vous voyez, Sanchin, une position dans laquelle on a les jambes qui sont fléchies vers l'intérieur, les genoux sont fléchis vers l'avant, les deux pieds se ramènent, se croisent sur une ligne, hein. Si on imagine une ligne, on trace une ligne par les pieds, ils se croisent. On a un pied qui est légèrement en avant par rapport à l'autre, et ici, on est sur cette position double blocage ici. Et donc là, on va commencer à travailler sur Ageoke, blocage haut. Donc, comment on travaille le Ageoke? On vient ramener le bras devant pour protéger ici. Et ici, on vient échanger. Donc, vous voyez, on vient là ramener le bras qui bloquait derrière. L'autre passe devant croisé. Et on vient ici bloquer. Encore une fois, on vient là et on bloque. Toujours la rotation, très important la rotation en karaté. Vous avez vu que quand on frappe, on part avec la paume vers le ciel et on finit avec la paume vers le bas. Pourquoi? Parce que dans le karaté, vous avez en fait un mouvement de rotation qui est appliqué, qui est très important, qui permet de générer un impact supplémentaire. Cette rotation, vous la retrouvez dans énormément de mouvements du karaté. On va la retrouver ici sur Ageoke, donc Jodan Uke, ça s'appelle aussi Jodan O, blocage O, Uke c'est le blocage. Donc on va venir ici, hop, à la dernière seconde, donner un coup de poignet, hop, 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 d'accord? C'est pareil pour le Soto Uke ici à la dernière seconde, je vais le faire un petit peu plus devant pour que vous voyez, Soto Uke ici, on vient tourner, on ramène, on vient tourner, on ramène, on vient tourner. Pareil pour le Uchi-Uke, un petit peu plus subtil. On vient ici, on dégaine le sabre, comme si on avait un sabre là, hop, et on vient à la dernière seconde tourner. Et ici, sur le Gedan Balai, blocage. Balai, c'est le balayage, Gedan, balayage en bas, ici. Et donc, hop, là on a toujours un peu moins prononcé, mais on l'a quand même. Ici à la fin, on vient vraiment, hop, verrouiller l'articulation. Donc je vais peut-être le faire comme ça vous avez double vue. Je le fais dans cette direction là, donc Jodan Uke, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Ro, Shichi, Hachi, Ku, Jou, Chu. Là, une fois qu'on a fait les 20, les 10 premiers c'est avec le commandement, les 10 suivants c'est par soi-même, les 10 derniers c'est avec Kiai. Donc Kiai c'est expulsion de l'énergie. Le Kiai c'est pas forcément un cri, quand on frappe la dernière technique, on fait pas ah pour crier,
c'est une expulsion d'énergie qui doit venir du Haratanden. Le Haratanden, c'est ce centre d'énergie que vous avez ici à ce niveau-là, hein, au niveau du bas-ventre. Et en fait, ça doit vraiment être une expiration d'énergie et qui donne lieu à une expulsion sonore, on va dire. Mais l'idée, c'est que vraiment, on ne cherche pas à crier, ça sert à rien, c'est vraiment d'expulser l'énergie. Et ici, ça sort tout seul. C'est vraiment une expulsion de l'énergie pour finaliser. Ça donne aussi la possibilité, quand on est fatigué, de se redonner un élan d'énergie. C'est important aussi. Kyokushin, c'est un art martial qui est éprouvant. Les entraînements sont durs. Et à un moment donné, quand on commence à fatiguer, le Kiai, ça nous permet de retrouver, on va dire, une seconde réserve. D'accord ? Donc là, on va partir. Ok, Awakata. Donc là, on revient Soto-uke. Donc Soto-uke, balayage, blocage de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ici, comment on va venir armer le Soto-uke? Donc on se met en position comme ça. Donc on a l'Ikite, la garde qui est ici. Le Soto-uke qui est bien ramené à nous. Alors, pas comme ça. Pas comme ça. Il faut qu'il y ait une liaison, une force maintenue entre le torse, le coude et le bras. Si vous êtes comme ça, vous n'avez pas de force. Si vous êtes comme ça, vous êtes trop petit, vous bloquez rien. Il faut que vous soyez dans une position qui soit forte. Là, on ne peut pas me bouger. Là je suis bien solide. Et ici, comment je vais venir armer? Je vais venir mettre mon bras devant avec le coude. Pas qu'il me cache la vision, hein. Faut quand même que ça reste visible ici pour se protéger d'une attaque. Et ici, on est armé à ce niveau-là, on a la main qui est fermée, hein, en tetsui, en marteau. Et on vient ici balayer. On recommence. D'accord ? Donc on est là sur Soto-uke et on vient bloquer. Ichi, ni, san. Chi, go, rook, chich, hatch, ku, chu, tu. Là maintenant, on va passer en Uchi-uke. Donc Uchi-uke, blocage de l'intérieur vers l'extérieur. On vient ici. Donc pareil. Quand je suis dans la position de blocage, que vous remarquerez, c'est presque la même, hein, que Soto-uke. Hein. C'est la façon comme on arrive à cette position qui change en fonction de la circonstance. Si vous avez une attaque qui vient de face comme ceci, vous allez vouloir la bloquer comme ça. Si vous avez une attaque qui vient plutôt de ce côté-là, vous allez vouloir la bloquer comme ça. D'accord ? Donc ici, on vient, hop, blocage. Ici, on vient de l'intérieur, donc on met le poing devant, toujours pour protéger, hein, ici. Là, on arme à l'aisselle, on fait glisser le long du bras et on vient bloquer ici, d'accord? On arme, on fait glisser le long du bras et on vient bloquer. On arme à l'aisselle, bras tendu, on ramène, d'accord? Donc on y va. Reach, ni, san. Shi, go, block, shit, hot, ku, jo, tu. Tu, keo gata, tu. Donc bleu.
c'est un coup, un blocage qui sert à venir balayer un bâton qui vient vous frapper, un coup de pied qui peut venir vous frapper. On montrera un peu après des exemples, mais ici, donc le principe, on est dans cette position là, comme ceci, donc toujours, toujours équité, la garde toujours ramenée au pectoral, bien tiré en arrière, pas équité comme ça, bien ramené, et ici en blocage, donc pas comme ça, pas comme ça, bien devant, ici qui vient protéger les parties, qui vient protéger devant, on arme, on garde le bras tendu, toujours en protection, hein, ça bouge pas, et on vient ici armer à l'oreille, donc vous avez ici le tetsui, le marteau qui vient ici à l'oreille, et on vient, hop, encore une fois, glisser, on vient là, on glisse, et on arme, on vient là, et on frappe, on vient là, et on frappe, on vient là, et on frappe, on bloque, allez, on se prépare, itch, ni, san, shi, go, ro, chit, hat, ku, kyou, tu. Bon, maintenant on va venir travailler un blocage composé qui s'appelle Uchiuke Gedanbarai. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a travaillé Uchiuke, c'est ce blocage là, et on a travaillé Gedanbarai qui est ce blocage là. Donc un blocage composé des deux, bah déjà c'est un blocage qui utilise les deux bras, et on va venir en fait d'une main faire un Gedanbarai, donc sur place, c'est pas le Gedanbarai qui part de là, mais c'est toujours un blocage intérieur vers extérieur, et de ce bras là, on va venir travailler intérieur vers extérieur et surtout vers le bas. Donc le blocage ça donne, ici on croise et on bloque, on croise et on bloque, on croise et on bloque, d'accord? On y va, hitch, ni, san, chi, go, ro, chich, hach, kou, chou, chua. Chua, kiao gata, chua, 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 chua. On revient, Yasme, on arrête, j'ouvre un petit peu, ça c'est les blocages, on va voir un petit peu comment les appliquer en kion dynamique, donc en mouvement, parce que là on les a fait statiques, on va voir un petit peu comment les travailler en dynamique. Allez, on y retourne. Donc, ici, on va repartir en position Shizentai. Position Shizentai, c'est la position d'attente. Hein. La position dans laquelle on est prêt à partir selon les mouvements, selon les positions qu'on nous ordonne d'effectuer. D'accord? Donc, par exemple, ici, moi je suis en Shizentai et on va dire Migi Zenkutsu Dachi Getanbarai. Donc, Zenkutsu Dachi, Dachi c'est la position. On a plein de dachi qui existent. Zenkutsu dachi, c'est cette position-là. Vous avez Kokutsu dachi, c'est cette position-là. Nekoashi dachi, qui est encore plus ramassé. Vous avez Kiba dachi. Vous avez Shiko dachi, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez Sotoashiji dachi, qui ressemble beaucoup au Sanshin, mais là, les pieds sont sur la même ligne. Vous avez Uchi Ashiji Dachi, avec les pieds qui sont vers l'extérieur. Yoi Dachi, qui a une position d'attente aussi. Vous avez Moro Ashiji Dachi, position de combat. Les Dachi, c'est la position. Zengutsu Dachi, Dachi, pas Dachi, parce que c'est D-A-C-H-I, c'est Dachi. Zengutsu Dachi, c'est une position. Ensuite, j'ai dit Migi Zengutsu Dachi. Donc Migi, vous vous souvenez, c'est les directions. Hidari, Migi.
Idari, la gauche, Migi, la droite. Donc Migi Zenkutsudachi, ça veut dire que je vais me mettre en position Zenkutsudachi avec la jambe droite. Donc ici, position jambe droite, d'accord ? Et ensuite, j'ai dit Migi Zenkutsudachi Gedan Barai. Donc Gedan Barai, c'est le blocage qu'on a fait tout à l'heure, blocage bas. Donc ça veut dire que si moi je suis en position comme ça, j'attends, et qu'on me dit Migi Zenkutsudachi Gedan Barai Yoi, je me prépare. Et là, Kamaite, ça veut dire en position. Et là, je suis en position. Migi Zenkutsudachi, Zenkutsudachi jambe droite, Gedan Barai, blocage. D'accord ? Donc là, on va travailler simplement, je recule un tout petit peu, on va travailler un petit peu que sur du Gedan Barai en avançant. Donc, je vais avancer sur un commandement et quand j'avance, j'arme et je bloque. J'arme et je bloque. Ensuite ici, là, bon, je suis un peu contraint par l'espace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Mawate. Mawate, c'est demi-tour. Donc, pour faire un Mawate, on vient croiser la jambe et on vient tourner et refaire un blocage. Ichi. Ni. Mawate. Là, je vais manquer de place. Je vais m'en décaler. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir en faire 3. Mais 3, je suis un peu limité en termes de place, là. Ichi. Ni. Sam. Ça peut passer. Ça peut passer si je fais attention. Mawate. Là, vous voyez, je bloque. Ichi. Ni. Mawate. Donc le Mawate, pour faire Mawate, là je suis, je vais me mettre en position pour que vous voyez. Donc Mawate, je suis sur ma position. Là, je vais venir croiser, donc ramener ma jambe arrière, je vais la croiser comme ça. Et là, je vais tourner, et en même temps que je tourne, j'arme, et je viens bloquer. J'avance, je tourne, j'arme et je bloque. J'avance, j'avance, je tourne, j'arme et je bloque. D'accord ? Donc, là on travaille Zenkutsudachi Gedan Barai. Et maintenant, on va travailler la même chose, mais avec d'autres blocages. On va travailler 4 blocages. Vous allez voir, donc le principe, ça va être le même. Je vais me mettre en position. Ici, je vais me mettre en Idari Zenkutsudachi, donc Zenkutsudachi, jambe gauche, et Jodanuke. Jodanuke, blocage haut. D'accord ? Donc, Jendai. Idari Zenkutsudachi, Jodanuke, yoi. Kamaite ! Donc là, je suis sur un blocage Jodanuke. D'accord ? J'essaie de reculer au maximum. Je vais avancer. Ich. Sotouke. Je vais avancer ni uchiuke. Et là, bon, idéalement, il faudrait que je sois arrivé à la fin de mon mouvement. Je vais le refaire dans l'autre sens. Là, vous me voyez, là, vous ne me voyez pas. Donc là, je suis là. Je vais faire mawate. Mawate. Blocage ici, Gedan Barai. Et donc là, maintenant, ici, je fais. Ich. Ni. San. Shake. D'accord ? Donc là, le principe, c'est j'avance Jodanuke, Sotouke, Uchiuke, Mawate. Là, c'est vrai que la caméra, est... je pourrais la tourner un tout petit peu plus parce qu'elle attrape pas tout. C'est pas grave. Pour la prochaine fois. Ich, Ni, San, Shi, Ich, Ni, San, Shi. Ich, Ni, San, Chi. Nanbe, Yasme. Donc là, vous voyez, un petit peu de Kion dynamique qui peut être appliqué. Alors, on peut aussi faire du Kion, non pas en Zenkutsudachi, mais en Moro Ashidachi, position de combat du Karate Kyokushinkai, qu'on appelle aussi Kumite Dachi, position de combat. Donc comme ça. Et là, par contre, on va changer un peu le mouvement. Soit on peut le conserver. Hein. On peut faire ça, 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 ça. Et on avance en pas plus combat. Mais on peut aussi, et eh bien du coup,
transformer un peu ça pour l'appliquer plus facilement au combat. Donc, premier mouvement, hop, blocage. Deuxième mouvement, juste un chassé comme ça. Troisième mouvement, mouvement comme ça pour bloquer. Et ensuite, en avançant, ici, pour chasser éventuellement un coup de pied, ou là, ce serait plutôt, on viendrait plutôt bouger. Hein. Là, ce mouvement-là, faire un Gedan Balai comme ça, avec l'avant-bras sur la jambe d'un adversaire, à mon avis, vous risquez de vous faire très mal à l'avant-bras. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de venir ici bloquer. Ça, c'est quand on est en combat. On s'imagine, on est en combat, l'adversaire, il balance un chassé, un Maegeli Kekomi. Donc Maegeli Kekomi, c'est un Maegeli pénétrant, contrairement au Maegeli Keage, qui est un Maegeli fouetté, dans lequel on va juste frapper comme ça. Là, ici, on imagine on est en combat, l'adversaire, il arrive avec son Maegeli pénétrant, et nous, on décale et on balaye. Ça permet, d'ailleurs, si on attrape la jambe de l'adversaire, parce que bon, en frontal, ça fait mal, mais si on décale un peu, bah, on peut la chasser, et bien là, ça nous permet en fait de faire perdre l'équilibre à l'adversaire, qui va du coup se retrouver dans une position assez inconfortable, puisque lui, il va être comme ça, et du coup, déjà, s'il se déséquilibre et qu'il perd un peu, bah nous, derrière, on en profite et on vient ici endormir. Mais on peut aussi venir tout simplement, quand il est dans cette position-là, hein, et bien frapper, nous on balaie, on décale, on est comme ça. Là, il est exposé, on peut venir juste gentiment, hop, venir frapper dans les côtes. Donc c'est aussi possible. Donc le Gedan Balai, en combat, en kumite, en compétition, il va plutôt servir à ça, à venir balayer et décaler. Maintenant on va travailler un petit kata avant d'attaquer sur le travail des coups de poing. On va faire un petit kata. Donc la dernière fois, je vous avais fait travailler, je l'avais fait découvrir, parce que travailler c'est vous qui décidez, Taikyoku Sonoichi. Taikyoku Sonoichi, c'est le kata de base, le tout premier kata en karaté Kyokushinkai, et qui est très simple en fait, hein, il est composé de deux mouvements, le Gedan Balai et le Chudan Oitsuki. Donc en fait c'est un kata dans lequel, si vous vous souvenez, je mets plutôt dans ce sens-là, comme ça vous pouvez le voir. Position oi pour partir. On commence Gedan Balai, puis on avance Oitsuki Chudan. Chudan, milieu, au niveau du plexus solaire. Ensuite, 3, on vient ici Gedan Balai, puis on avance Chudan Oitsuki. Je vais glisser, je vais me casser la gueule. On va peut-être éviter, voilà. Et donc maintenant, vous allez voir que le kata qu'on va travailler, Taikyoku Sono Ni, est un kata qui est très similaire, dans lequel on va avoir des Enkutsu avec Gedan Balai, mais là on va travailler la position Jodan au niveau des coups de poing. Donc on va pas travailler en Chudan, on va travailler en Jodan, vous allez voir c'est un peu différent, mais c'est un kata qui est très intéressant pour les débutants parce qu'il permet vraiment de faire la différence au niveau de Taikyoku Sono Ichi sur un Chudan et au niveau de Taikyoku Sono Ni sur un Jodan. Ce sont deux hauteurs très différentes et il faut vraiment bien les connaître pour déjà d'une ne pas se tromper quand on veut frapper et bien connaître les points à frapper, mais surtout ne pas frapper entre les deux. Alors ça peut marcher hein, de frapper à la glotte comme ça, mais c'est vrai qu'on n'aura pas tendance à utiliser cette arme là, on va venir plutôt frapper en shuto ou plutôt même avec la paume taisho pour renverser l'adversaire, mais bon ça c'est autre chose. Donc là on va venir travailler ce kata, donc Shendai Taikyoku Sono Ni Yoi Ichi Ni San Shi Go. Donc là, il faut que j'avance sur 3 pas, comme d'habitude, hein, j'ai pas la place, donc je vais partir d'ici. Ça change rien. Rok Shichi Hachi Chu. Je me suis planté, on va le refaire. Puisque moi-même, j'ai fait des Chudan, donc c'est pas grave. J'étais dans mon explication et je me suis planté. On va recommencer, c'est pas grave. Oi. Allez, Taikyoku Sono Ni Yoi. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Donc là, vous voyez, je me remets en position pour avancer sur la ligne. Là, vraiment, je viens frapper. Oh. Rok. Shichi.
là c'est toujours pareil, je suis normalement censé tourner, hein. Vous imaginez que là je suis arrivé au bout de ma ligne et là je vais tourner, donc je vais le faire d'ici. Hop. Hatch. Hou. Tu. Hitch. Oui. Toujours même chose, je dois avancer 3 pas. Donc je me repositionne juste là pour que vous voyez. Ouais, je suis un peu décalé. Hitch. Hi. Sun. Tu. Encore une fois, c'est pareil. On imagine que je suis arrivé au bout de ma ligne. Hitch. Ni. Sun. Chi. Allez. Et assis. Donc là, vous voyez, c'est un kata qui est assez simple. On va le refaire. C'est un kata qui est assez simple, mais qui permet vraiment de faire la différence sur Zengutsu Dachi Geden Barai et Oitsuki Shudan. Et Zenkutsu Dachi Geden Barai Oitsuki Jodan à la tête. Hop. Donc on va le refaire. Cette fois-ci, Nogore. Donc Nogore, pas de décompte. Condition de réel ou passage de grade, comme vous préférez. Et on essaye de le faire à la vitesse la plus élevée possible. Sachant que moi, je vais pas aller à une vitesse de fou. Dans le sens où j'ai peu d'espace. Et du coup, je veux pas me casser la gueule. Mais je vous donne suffisamment de vitesse pour que vous ayez un aperçu de ce que peut donner le kata dans une condition un peu plus réelle. Shintak. Raikyokusun ni yori. Hachu. Ça c'est Taikyoku Sononi, un kata basique mais très important, ce qui permet vraiment, comme le premier, de travailler les positions. Zenkutsu Dachi, c'est la position phare du karaté, c'est une position qui est extrêmement importante parce qu'elle fait beaucoup développer l'endurance des jambes et la puissance de ces dernières, et surtout les transferts de poids. C'est-à-dire que là, quand vous êtes sur Zenkutsu Dachi et que vous avancez, il est déjà important de réussir à transférer son poids sur l'autre jambe. Mais en plus de cela, il faut vraiment être capable de rester au même niveau. Là, vous voyez, si j'avance, je ne monte pas. Vous voyez, quand je fais ça, ce mouvement-là, je ne fais pas ça pour redescendre. Je suis vraiment sur une logique de rester au même niveau et avancer. D'accord ? Hop, j'avance en étant au même niveau tout le temps. Ça c'est très important parce que ça vous permet de travailler et surtout d'être régulier et stable sur vos positions. Donc un kata très important, 64 minutes. On va peut-être arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. Ça me paraît pas mal en termes de durée. On va juste faire les étirements pour que vous voyez un petit peu quel type d'étirement on peut faire à la fin d'une séance. Moi, c'est un circuit que je fais qui est plutôt complet et qui permet de vraiment étirer tous les muscles. Donc plutôt pas mal. Même si vous ne faites pas de karaté ou de sport de combat, vous pouvez l'utiliser à votre niveau. D'accord ? On va commencer avec le bras ici. On attrape l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche, on fait l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On va venir attraper le coude derrière. On va pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
et 10. On relâche. On va venir joindre les mains comme ceci, à l'envers. Au lieu de les mettre comme ça, on les retourne. On passe au-dessus de la tête et on se met sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On étire les jambes. Alors là, par contre, ce que je vous montre, cet exercice-là, les étirements, 10 secondes, c'est pas suffisant pour des étirements. Les étirements, ça doit se faire entre 30 secondes et 1 minute. Là, je vous le montre en version condensée pour que vous voyez un peu tous les mouvements. Mais si vous, vous le faites chez vous, prenez le temps de ralentir la vidéo. Hein. Si vous êtes sur YouTube, ralentissez la vidéo. Et vous allez voir, en fait, il faut vraiment passer 30 secondes à 1 minute sur un étirement. C'est très important. Donc là, sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte. On va venir attraper la cheville. Hop. Tire en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On vient attraper l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on fera le reste la semaine prochaine. Je vous montrerai la suite pour ne pas avoir des streams trop longs et avec trop d'informations dès le début. Donc on va finir l'entraînement ici avec juste le salut de fin. Et après on pourra mettre fin au stream. Donc on se met en position. Shinentai. C'est ça. Donc là ici, je l'avais peut-être expliqué la dernière fois, mais je le réexplique. Le Kyokushinkai étant un karaté très traditionnel et très martial, on a pour habitude dans les dojos, un certain nombre de dojos en France et dans le monde, de finir l'entraînement en récitant ce qu'on appelle le Dojo-kun. Le Dojo-kun, c'est une série de préceptes qui font partie du Kyokushinkai, qui sont des sortes de valeurs auxquelles les pratiquants en fait aspirent. Et ce Dojo-kun, il est toujours récité par le plus haut gradé après le professeur. Donc je vais le faire et je le ferai à chaque entraînement puisque ça fait partie vraiment des enseignements du Kyokushin et ça fait partie des traditions et des enseignements, des valeurs du Kyokushinkai. D'accord ? Donc, en position comme ça. Shinzeni, allez ! Dojo-kun, afin d'avoir un esprit inébranlable, nous éduquerons notre corps et notre mental. Nous observerons la signification profonde de l'art martial de façon à pouvoir la comprendre un jour. Fermement, nous chercherons à entretenir notre sens de l'abnégation. Nous observerons les règles de la courtoisie, du respect envers nos maîtres et éviterons tout acte de violence. Sans autre désir, nous aspirerons à la sagesse et à la force mentale. Nous respecterons les croyances de chacun et n'oublierons jamais les vrais mérites de l'humilité. Toute notre vie, au travers de la discipline du karate-do, nous chercherons à accomplir la vraie signification de la voie Kyokushin. Mokuso ? Soyame, Saint-Emi, allez! Senpai ni, arigato gozaimashita! Arigato gozaimashita! Watagai ni, arigato gozaimashita! Arigato gozaimashita! Keigo, owari, tate kudasai! Ous! Cette vidéo est terminée! Merci à vous pour votre présence! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de façon à être tenu au courant eh bien, de toutes les actualités de celle-ci, que ce soit dans le domaine du gaming ou dans celui du karaté Kyokushinkai, hein, si vous aimez l'un ou l'autre ou les deux, hein, vous avez le droit, hein, comme moi, eh bien, n'hésitez pas, ça m'aide concrètement à être plus visible sur la YouTube sphère, et puis vous, ça vous tient au courant de toutes les informations que vous pourriez avoir sur Ken Studio. Merci à tous et à bientôt. Ross.